ciao, 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 buonasera, bonsoir, Parigi, no, scusi, è Pantino, Pantina, perché sì, sì, il centro internazionale della danza de France, no? E je me présente, je m'appelle Danse Alighi a ridere. Sì. Danze, Alighi a ridere, ridere, ridere. Mon prénom est Danse parce que j'adore la danse. Et aussi parce que mon cousin est le célèbre poète florentin du XIIIe siècle, Dante Alighieri. Et la première partie de mon nom, à cause de la famille Alighieri, et la deuxième partie, parce que dans l'italien de mia mamma, ridere signifie rire. Et j'adore rire, beaucoup plus que mon cousin Dante. Ridere. Je suis content. Parce que je suis vivant devant vous à nouveau pour quelques instants. Je suis en fête parce qu'en fait, je suis mort depuis 688 ans. Si? Morte. Finito. Exactement 688 ans que je suis couché et plat comme une pâte de pizza. Et couché et plat comme une pasta de pizza. Ridere. Ridere. Quel plaisir de sentir l'air dans mes poumons à nouveau. Quel plaisir de humer à nouveau la transpiration humaine bien fraîche. Quel plaisir de voir à nouveau de magnifiques personnes vivantes. Pouvez-vous imaginer un homme italien qui ne voit les belles donnes qu'en os, alors qu'il les aime bien chères. Et ce pendant près de 70 ans. Mais pourquoi? Pourquoi danser à ridere? Oui, ici. Danser à ridere a été envoyé pour vous rapporter les nouvelles de l'au-delà, les nouvelles des décédés. Danse, ridere va essayer d'employer toute son empathie mimétique pour rappeler la présence corporelle et spirituelle de certains morts. Revenons dans la guerre. Revenons à l'année 2009.
Le 25 juin 2009, Michael Jackson. Les lois de la pop. C'est lui qui a électrisé la planète entière par ses moves. Arrive un transfert. En faisant le moonwalk. C'est così. L'arena du Tanztheater. Tanztheater mit mir. Celle qui a mis à jour la danse expressionniste allemande arrive elle aussi en Danzfer. Mais en faisant les Müller Walk. Si, così. Hallo, Hel. Hallo. 26 jours plus tard, pouvez-vous toujours recroire Merce Cunningham, l'empereur de la moderne dance revolution? Celui qui a appliqué à la danse certaines des idées radicales du XXe siècle, arrive lui aussi à Danzfer, mais en faisant le Merzwalk. Si, così. Organisé en plusieurs cercles appelés manèges. Alors, les trois grands de la danse se retrouvent au centre du premier manège de Danzfer. Ils se regardent l'un l'autre et se disent: quelle incroyable coïncidence! Quelle étrange destinée! Que nous trois mourions à 5 semaines d'intervalle, la même année, le même été, et fait additionnel, notable. Michael Jackson, à 50 ans, était arrivé au début de la fin de sa vie. Pina Bausch, à 68 ans, au milieu de la fin de sa vie. Et Merce Cunningham, à 90 ans, à la fin de la fin de sa vie. Sous drama. Pina. Si, la Pina. Après avoir regardé autour d'elle, se tourne de main droite vers il Mike. Et lui dit: yeah, Herr Jackson, Danzfer ist vraiment un certain de vos chorégraphies, ja, richtig? Et à cet instant précis, une troupe d'hommes et
cigarette, passe devant eux en faisant les mouvements suivants. Vers la fille, elle lui dit: Oh, Miss Bosch, Dance Fair ressemble vraiment à certaines de vos chorégraphies, doesn't it? Et à cet instant précis, une troupe d'âmes égarées passe devant eux en faisant les mouvements suivants. Autour de lui, se tourne de hanche droite vers il Mers. Elle lui dit: Well, Mr. Cunningham, Dance Fair ressemble vraiment à certaines de vos chorégraphies, right? Ah! Et à cet instant précis, une troupe d'hommes égarés passe dans le dos. En faisant le mouvement suivant. De la danse médite sur le fait que l'enfer c'est la danse des autres. Satan s'attendrit de voir de telles sublimes atrocités et en récompense il déplace les trois chorégraphes du premier au deuxième manège de Dance Fair. Et là, il m'a gueulé et pris de convulsions. Et comme toujours avec Michael, même en convulsion, il demeure funky. Un monstre surgit hors de son âme et erre au-dessus de son corps. C'est un monstre extraordinaire parce que sa peau change constamment de couleur. Très noir, très blanc, en boucle à répétition. Blanc. Blanc.
un monstre qui change constamment de chevelure, de bouclettes, un loup à répétition. Un monstre qui change constamment de taille et forme de nez. Enfin, en boucle, à répétition. En un mot, ce qu'on pourrait appeler le black to white monster. C'est un monstre qui fait un bruit horrifique. Così. It's black. It's white. It's tough for you to hear. It's black. It's white. It's tough for you to hear. Alors, le monstre au-dessus de son sort, il Michael, exprime le suivant remords. I feel you're thinking about my body. It don't matter if it's black or white. Black or white. If you're thinking about my body, it don't matter if it's black or white. Black or white. Black or white. Pause. Image. Il Michael dans cette position on the dance floor. Et au-dessus de lui. Il meurt, qui chasse le monstre et qui protège il Michael dans ses positions. Mais au même moment, la pine est pris de convulsions. Et comme toujours avec la pine, même en convulsion, elle fait des répétitions accélérantes pour accentuer l'effet dramatique. Un monstre surgit hors de son âme et elle au-dessus de son corps. C'est un monstre extraordinaire, en forme de deux poumons géants calcinés, avec du pus cendré qui en coule, et de la fumée grise qui s'en évapore. En un mot, un énorme organe brûlé au cinquième degré. C'est un monstre qui fait un bruit horrifique. Pensez. Alors, le monstre au-dessus de son sort, la pina exprime le suivant remords. Je vous fais la traduction à l'avance, parce que même si la pina est allemande, elle chante en anglais. La mort est une invitée bienvenue, dit-elle. Quand je serai enterré, que mes erreurs ne crée aucun trouble dans vos poitrines, dit-elle. Rappelez-vous de moi, mais oubliez mon sort. Death is no welcome guest. What?
la pile dans cette position. After Boden. Et il Michael, au-dessus d'elle, qui chasse le monstre et qui s'inquiète pour la pile. Pinarioke, so pinarioke, ayoke pina, pinarioke, so pinarioke, ayoke pina, pinarioke, so pinarioke, ayoke pina. Pina, are you okay? Are you okay? Pina! Mais vous mettez le moment. Il m'a pris de convulsion. Et comme toujours avec il Michael, il Mers, c'est parfois confusant les trois, hein? Comme toujours avec il Mers, même en convulsion, il ne regarde jamais ses mains en mouvement pour donner l'impression qu'il a plusieurs corps en un. Un monstre surgit hors de son âme et erre au-dessus de son corps. C'est un monstre extraordinaire. Un agglomérat d'os boursouflés, d'articulations disloquées, des cartilages détruits en miettes. En un mot, une énorme inflammation corporelle. C'est un monstre qui fait un bruit horrifique, comme dit. Exprime le soir de mort. Dans cette position, on the stage floor et au-dessus de lui, Bean, qui chasse le monstre et qui caresse. Il marche par ses mouvements et avec ses longs cheveux. Et pendant que les trois grands de la danse méditent encore sur les méfaits de leurs actions sur leur corps, Lucifer apparaît derrière de grandes flammes. Ayant vu la danse des trois grands sur Infernet, et se rappelant qu'autrefois il était un dieu de la lumière et de la connaissance, et un surpassement de soi, il leur déclare: vous avez transcendé votre douleur par vos mouvements. Et vous avez transfiguré la misère du monde par vos danses. Je vous autorise donc à partir de Dancefair. Alors, les trois grands de la danse se mettent à marcher,
A walk, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Purgatoire, purge ton histoire. Purgatoire, purge ton histoire est organisé en plusieurs niveaux, appelé promenade, où les morts sont confrontés aux accusations publiques qu'ils ont subies durant leur vie. Dans la première promenade de Purgatoire, purgeons de ton histoire, les trois grands de la danse rencontrent l'enfant abusé. L'enfant abusé regarde il Michael et, utilisant les paroles d'une célèbre chanson intitulée « Mauvais, mal », lui fait le show de ses reproches. You said to me, you said to me, you said, your butt is mine, gonna hurt your mind. Just show your face, lay it on me, real bad. I'm giving you, on count of three, to show your stuff, lay it on me, real bad. Now I am telling you, I am telling you, you're doing wrong. Gonna lock you up, zip zip. Before too long, your lying eyes, zip zip. In broad daylight, gonna tell you right on how I feel, bad, real bad. Sur la relation entre son personnage public et sa personne privée. Lui et l'enfant abusé confèrent ensemble dans un coin de la première promenade. Nous n'aurons pas plus d'informations. Nous ne pouvons pas affirmer quelque chose que nous ne savons pas. Car, quelle serait l'excuse de notre erreur? Et néanmoins, il Michael, après cette discussion, revient vers ses nouveaux camarades. Il meurt, ah! Et la pire, ah! La conscience plus tranquille. Dans la deuxième promenade, les trois grands de la danse rencontrent la chorégraphie commerciale. La chorégraphie commerciale regarde la pina et, paraphrasant certains moments très pauchiens, lui fait la publicité de ses reproches. Dance. Publicity for tourism. Dance, publicity for tourism. Dance, publicity for tourism.
Eh, vous voulez quoi? Vous voulez pas l'air, mon? Hein? Vous voulez pas l'air? Alors voilà. Je vous donne des entrechats siciliens. Voilà. Vous voulez ça? Hein? Vous voulez quoi? La Turquie? Vous voulez la Turquie? Voilà. Un manège turc. Voilà un manège turc. Ça va? Là. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi? De l'Indien. Je vous donne de l'Indien. Je vous donne de l'Indien. Voilà, de l'Indien. Voilà. Des fouettés d'Inde. Alors, la Pina médite sur le rapport entre dépendance économique et indépendance artistique. Elle et la chorégraphie commerciale confèrent ensemble dans un coin de la deuxième promenade. Nous n'aurons pas plus d'informations. Nous ne pouvons pas affirmer quelque chose que nous ne savons pas. Car quelle serait l'excuse de notre erreur? Néanmoins, la Pina, après sa discussion, revient vers ses nouveaux camarades, Ilmars et Ilmichael. La conscience plus tranquille. Dans la troisième promenade, les trois grands de la danse rencontrent les danseurs émotionnels. Les danseurs émotionnels regardent Ilmars et évoquant des moments coulisses très Baskenham Dance Company, lui fait le spectacle de ses reproches. Sur la différence entre distance conceptuelle et froideur humaine. Lui et le danseur émotionnel complètent ensemble dans un coin de la troisième promenade. Là, faut imaginer un coin. Nous n'aurons pas plus d'informations, nous ne pouvons pas affirmer quelque chose que nous ne savons pas, car quelle serait l'excuse de notre erreur? Néanmoins, Ilmars, après sa discussion, revient vers ses camarades, la Pina, et Ilmars, deux fois que je l'ai inversé, hein, pour réviser le texte, toutefois. Ilmichael, la conscience plus tranquille. Alors, c'est d'un pas plus léger que les trois grands de la danse quittent purgatoire, purge ton histoire et arrive dans les coulisses des paradanses. Paradance est appelé paradance parce que le paradis est une great dance party. C'est Terpsichore Esprit elle-même qui les accueille. Et Terpsichore Esprit leur déclare. Toi, avez dédié vos vies à la danse. Oh, toi.
toi. Avec un tas sur terre, les quatre vertus du. Dans son ciel, dans son ciel, dans son ciel. Claté, t'es générosité, t'es vitalité, t'es liberté, t'es. Oh, toi. Mériter la vie éternelle. Allez, ici maintenant, non, je vous accorde, immortalité, au paradis, danse. Alors, loin des xénophobismes chorégraphiques. We are the world, we are the children. Loin des douleurs corporelles. Et loin des accusations publiques. Les trois grains de la danse. Commence la chorégraphie vers l'immortalité. Soutenue invisiblement par les âmes esprits des assistants qui les ont toujours portés, mais qui dans l'ombre sont toujours restés. Thank you.
J'aimerais remercier Jonathan O'Hear pour sa création lumière et sa régie. Et toute l'équipe du CND, et en particulier toute l'équipe technique, sans qui tout ça ne serait pas visible, ne serait pas possible. Et puis, dernière chose, parfois, ce que je fais pour certaines personnes ou certains publics, je fais une contextualisation historique un peu de 5-10 minutes avant pour donner quelques clés. Donc s'il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout Pina, c'est possible, hein, vraiment, ou Morse Cunningham, j'espère que vous avez pris ce que vous avez pris. Voilà, il n'y a pas de problème et peut-être que vous pouvez les googler. Merci.